L'épisode du jour, c'est changer ses grippes sur un VTTAE Scott. Alors, pourquoi plus particulièrement un Scott? Eh bien, tous les tout suspendus de la marque disposent du Twin Lock, cette commande au guidon qui permet de choisir son débattement, sa géométrie et son comportement. Et vu que cette commande sert également de bague Locon pour la poignée, eh bien, si vous souhaitez remplacer vos grippes, par exemple, par d'autres poignées telles que des poignées silicone, eh bien là, il y a une petite astuce à connaître pour pouvoir monter celle-ci et surtout serrer votre commande Twin Lock sur le guidon. Donc c'est parti pour le mode d'emploi, sachant qu'avec votre vélo, comme tous les vélos Scott qui sont montés en poignée Locon, vous avez eu cette petite pièce qui va vous permettre justement de bloquer le Twin Lock sur le guidon. La technique est simple, avec une clé Torx, commencez par démonter le Locon pour retirer la poignée. N'hésitez pas à nettoyer correctement en dessous, à dégraisser même, surtout si vous allez coller une poignée mousse ou une poignée silicone. Il faut vraiment que la poignée puisse adhérer et s'assurer qu'elle ne tourne pas, qu'elle ne glisse pas. Une fois que le guidon est propre, et bien là, deux techniques. Soit la bonne vieille laque à cheveux, le gros avantage c'est que ce sera suffisamment humide pour glisser lors du montage et qu'ensuite en séchant ça va coller juste ce qu'il faut. Contrairement à de la colle, et bien lorsqu'il s'agira de démonter la poignée, cela restera aisé. L'autre technique qui va bien, à condition d'avoir un compresseur, c'est l'air comprimé avec une soufflette. Là, montage comme démontage avec l'air comprimé, c'est super facile, on n'endommage pas la poignée et surtout on a un montage sec qui garantit d'avoir une poignée qui reste bien en place. Côté Twin Lock, vu que vous aurez supprimé la poignée qui sert, on va dire, de cale, d'interstice entre le guidon et cette commande déportée des suspensions, eh bien, il va falloir mettre la petite pièce livrée avec chaque vélo au niveau du collier pour pouvoir serrer le Twin Lock sur le guidon. Et après, pour monter la poignée, eh bien, c'est la même technique que de l'autre côté. Super facile. Si par contre, vous optez pour remplacer vos poignées Locon par d'autres poignées Locon de la marque Synchros, eh bien là, elles sont totalement compatibles avec la commande Twin Lock. Donc vraiment, rien de compliqué, super facile de changer de couleur, donc de style, ou encore de type de confort et d'appui. Au final, rien de compliqué pour monter des grippes. Par contre, faites tout de même attention, s'il s'agit de poignées Locon, serrez-les bien. C'est toujours délicat d'avoir une poignée qui se fait la malle du guidon. Là, c'est la chute assurée. Évitez tous les produits liquides à base d'eau, car en cas de temps humide, vos poignées risquent de tourner et du coup de se déboîter. Donc, montage à l'air comprimé ou alors à la laque à cheveux. Ça, c'est parfait, ça colle. Évitez la colle proprement dit, car quand c'est collé et qu'il faut les enlever, là, c'est vraiment la galère.